L'homme de 40 ans qui a agressé au marteau un policier hier sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame est en garde à vue à l'hôpital. On l'a appris ce matin, une vidéo où il prête allégeance à Daesh a été retrouvée chez lui. Je vous propose d'écouter un document RTL. Son neveu, Sofiane, n'arrive pas à croire que son oncle, doctorant en sciences de l'information à Metz, ait pu passer à l'acte. Il répond à Guillaume Chiez. Au départ, on n'a pas cru. On a dit que sûrement il y a une erreur par rapport à l'identité de la personne parce que c'est pas la même personne qui a commis l'acte d'hier. Quand vous lisez aujourd'hui qu'il a revendiqué son acte, qu'il a prêté allégeance à Daesh, ça vous étonne ? Bien sûr, ça m'étonne. Ça m'étonne énormément parce qu'il est rentré l'année passée et puis on a discuté par rapport à cette organisation et il m'a dit que c'est une organisation fabriqué de toutes pièces et il m'a dit qu'il ne reconnaît pas Daesh. Il m'a dit que Al-Baghdadi, c'est un abruti. Al-Baghdadi, oui. Le chef de Daesh. Hein. Voilà, voilà. Moi, sincèrement, je ne crois pas qu'il a prêté allégeance à Daesh. Je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. Voilà, document RTL de Guillaume Chien.